Ne te précipite pas. Là, ton corps le temps de t'habituer. Ça tombe dans l'eau. Mais pensez, il n'y a pas. Mais tu as mis quand même. Laisse de confiance. Tu as mis quand même le chaud. Ça va pas, ça. Tu vas chauffer quand? Tu peux lui donner. Ça prend du temps pour chauffer. Ça va, c'est bon. Et tu sais, qui est? Il est là, il est pas conduit dans la voiture. Je disais quoi dans la voiture aujourd'hui? Je disais quoi dans la voiture aujourd'hui, Ariane? Je disais que c'est. Il fallait qu'il fasse. C'est Pierre qui me fait tout baptiser les gens qui fait froid. J'ai dit ça aujourd'hui, le soir, en étant mégantique. Il a convenu. Je ne savais même pas c'est mon métier. J'ai connu ça à Ariane. Parce qu'on parlait de son baptême, comme c'est moi qui l'ai baptisé. On disait que. Pierre, pardon, viens ici. Il faut que nous. Qu'est-ce qu'il a contre nous? Viens nous voir. Il n'était pas en hiver, toujours quand il fait froid. Et j'avais dit quoi? Que c'était la fin d'un chili qu'on avait baptisé. Hein? Doucement, oui, prends ton temps, maman. Prends ton temps. Prends ton temps. Ne te presse même pas. Ouais, c'est froid, je te comprends. Hey, je m'imagine quoi, mais c'est froid. C'est ça, ouais. Fais comme si c'était un match de boxe, tu veux taper quelqu'un qui a ton argent. Une façon de parler, ça fait rire. Puis ça traverser ça, le prophète qui passe avec l'argent. Et c'est parce qu'on t'a pas encore dit combien ça. Quand elle dit le monter, elle va te tomber dans l'eau. C'est juste que c'est facile. Tu filmes, hein? Oui, c'est bien. J'ai vais couper pour prendre l'eau. C'est correct. Ça va, les filles. Merci, Jésus. Ok. On donne encore le temps de s'habituer, non? Non, mais le problème, c'est que plus le temps reste à l'eau, plus c'est le rapport aussi. Ouais. Parce que moi, je voulais que le temps se séche et puis on peut me prier pour le Saint-Esprit à l'extérieur parce que des fois, les gens ne veulent pas prier. C'est ça. Non, mais j'ai donné un autre. J'ai le complet de ça. J'ai le complet de ça. C'est le sacrifice. Ok, il pense à tout. Ok. C'est Gracia. Garcia. Bon, vous allez être comme ça direct. Pardon de tes péchés. Amen. Quand tu vas sortir de cette eau, tout t'est pardonné au nom de Jésus-Christ. Amen. Les mauvaises pensées, les insultes, les moqueries, tout. Et tu commences une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Tout ce que tu vois ici, toutes celles et tout ça, on sort de très loin. Ça, tu as un ancien rastaman de voir. Mais Dieu a coupé ses cheveux. Si il a changé, c'est à cause du nom de Jésus. Amen. Donc fais que personne ne te dise plus que tu es dans le péché. Tu dis que non, tu vis dans la vie. Tu vis dans la justice de Dieu. Amen. Donc nous allons d'abord te poser quelques questions pour voir si tu reconnais le Seigneur Jésus. Amen. Donc avant cela, on va faire une prière de repentance. On va demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour nos péchés. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous venons te demander pardon, papa, pour les péchés de Garcia. Papa, nous venons te demander pardon pour nos péchés ici à tous. Ici présent, nous prions pour que ta main soit sur nous, que ta main, papa, nous forge, que ta main nous force, et que ta main nous purifie, que ta main nous bénisse. Nous invoquons ton sang précieux, ta touche et ta présence avec force et puissance au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, papa. Tu es le Dieu qui fortifie, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui vit de vie, papa. Avec force et puissance, nous te louons. Avec force et puissance, nous t'adorons. Et je prie, Seigneur, que tu acceptes, papa, sa repentance, parce qu'elle vient changer devant toi pour l'éternité et être une nouvelle créature. Tu es bien sûr de tes voix et te donner sa vie, te donner son cœur au nom de Jésus. Amen. Tu vas mettre ta main ici sur le nez. Et tu vas mettre tes nez. Ok, ça va être rapide. Tu vas t'avancer un tout petit peu. Ok, Garcia. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour toi? Est-ce que tu promets de faire de ton meilleur pour servir et suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ? Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom de Jésus. Oui, c'est ça, c'est le Saint-Esprit.
Félicitations, tu es le nouveau. Tu as reçu le Saint-Esprit après ton baptême. Alléluia. Oh, Rabba, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur? Oh, Sanda Rabba, Bouchata Rabba, Sanda Rabba, c'est sorti. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?